They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you. Je sais que chacune et chacun d'entre vous a à cœur que nos étudiants puissent réussir, puissent trouver les enseignements qui sont en droit d'attendre et qu'ils puissent se présenter à l'examen dans d'excellentes conditions. Et à chacune et chacun, soyez remerciés pour votre implication. Préparer un concours, avant tout, ce n'est pas une question de don, mais de méthode. Bien plus qu'une compétition contre les autres, c'est aussi une compétition contre soi-même. Il faut savoir fournir des efforts réguliers, travailler sur la durée, des valeurs qui accompagneront les étudiants toute leur vie, à savoir le courage, la ténacité, le goût de l'effort. Le vœu d'Horizon, c'est de contribuer, de concentrer nos efforts sur l'encadrement de nos étudiants, en leur apportant tous les outils pédagogiques nécessaires à leur réussite. Alors ça passe par les annales, par les concours blancs, par les planchages, qui sont des évaluations hebdomadaires notées, corrigées, classées, par du soutien, le cas échéant, ou encore de la préparation aux oraux des concours. Et l'objectif premier, c'est donner sa chance à tous. Chaque étudiant est unique dans sa façon d'être et d'apprendre. Et Horizon met à disposition tous les outils, que ce soit pédagogique ou le corps enseignant, l'équipe de direction, pour les conduire tous ensemble vers la réussite de leur concours. Tous les enseignants sont recrutés en fonction de leur niveau d'études, donc minimum master, ça va jusqu'au diplôme d'ingé. Par exemple, dans mon cas, d'intenteur d'un doctorat en génétique. C'est une école avec des élèves assez jeunes, issus de nombreux horizons, mais où l'ambiance de travail est vraiment très conviviale, vraiment constructive. Les élèves sont généralement très motivés. Donc il y a une bonne approche élève-professeur. On est toujours disponible pour eux et on a un bon contact. Même après leurs études, on garde contact assez étroit avec nos élèves. C'est vraiment une chance pour eux de pouvoir vraiment préparer ce concours de manière efficace avec des personnes qui ont de l'expérience, des professeurs, et d'avoir une cohésion, de rentrer dans une classe avec une cohésion de classe, ce qu'ils ne pourront pas forcément trouver à la fac ou des choses comme ça, qui pourront les aider aussi à avancer avec des autres élèves, en parallèle avec des autres élèves, ce qu'ils ne retrouvent pas toujours forcément. Oh,
sais à quel point M. Fedida est sensible aux performances de la SIG. Je sais aussi que nous partageons cette volonté de réussir, cet engagement qui est toujours, bien sûr, la source de la réussite. Ce n'est pas possible de poser une question à un professeur. On est des centaines par amphi, donc pour poser une question, cela est très difficile. À la prépa, en revanche, il y a une réelle proximité entre élèves et professeurs. Quand je suis allé la première fois, d'abord, on a tous été regroupés dans une salle entre étudiants en médecine. On était dans la même galère et on a pu s'entraider quand même, ce qui est assez paradoxal par rapport à la fac de médecine. Tout ça, c'est la dualité, le concours. On a pu s'entraider. Et les professeurs aussi nous ont permis d'augmenter la force de cette coalition, en fait. Grâce à Horizon, je sais que j'ai fait le bon choix
et que je me retrouve aujourd'hui dans le métier que je voulais faire. Et je regrette absolument pas d'avoir choisi cette prépa et qui m'a confirmé que ce métier était bien fait pour moi. Et maintenant, je me retrouve exactement à la place où je dois être. Donc ça, c'est super. C'est vraiment grâce à Horizon que j'ai pu avoir un niveau, ce niveau le jour des examens. Je m'appelle Mario Gori, j'ai 30 ans. Je suis médecin remplaçant et à partir de janvier, je vais m'installer dans un cabinet à Winsenheim, à côté de Colmar. Horizon m'a permis de comprendre des choses que je n'aurais pas pu comprendre tout seul. Et des informations expliquées d'une autre façon, peut-être plus personnalisée et d'une façon moins académique. En deuxième année, j'étais, lors du deuxième semestre, professeur d'anatomie. J'ai fait des quelques connaissances et j'en suis sorti enrichi comme mes élèves, enfin j'espère. Je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans. Je suis infirmier en chirurgie, urologie et ORL depuis très peu, depuis un mois et demi maintenant. J'ai été diplômé au mois de juillet de l'école de Mulhouse et voilà, maintenant j'entame ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je crois que je m'en sors plutôt bien et ça c'est jouissif en fait. Ça fait du bien franchement d'être à l'aise dans son travail et d'être heureux de ce qu'on fait. Et parce que finalement, quand on commence l'école d'inf, beaucoup de personnes ont arrêté en fait dès le début. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sentaient pas que c'était ce qu'ils voulaient finalement. Alors que grâce à Horizon, j'ai su dès le début, en fait, grâce à cette prépa, que c'était ce que je voulais faire. Grâce à ce qu'ils m'ont appris, grâce au stage que j'ai pu faire, grâce à eux aussi. Je m'appelle Weber Marie-Laure. L'école m'a beaucoup apporté. On a un suivi. Donc ça, c'est déjà un plus par rapport à faire des cours à la maison. Donc, depuis, je suis diététicienne, nutritionniste dans plusieurs secteurs. Et puis, je suis enseignante à l'école Horizon. Et ben, joyeux anniversaire!